J'ai 60 ans. Si je pouvais vivre 5 ans encore. Je veux me réveiller. Je n'y arrive pas. La plupart du temps, je ne sais pas où je suis. Mais il m'arrive aussi de me croire autre part. J'ai l'impression que je vais mourir si je ne me réveille pas sur le champ. À Üsküdar, dans la maison au bord de la mer, je m'asseyais dans mon lit. Et le cœur serré, j'écoutais ahanner les bateaux à moteur, battant la nuit, qui s'en allaient dans un voyage sans début et sans fin. Le bruit du moteur déborde de nostalgie. Il vous appelle quelque part, très loin. À Üsküdar, devant la maison, les eaux du Bosphore ont une autre voix, plus douce, plus secrète. De printemps tombent sur Istanbul. Elles sont tièdes à présent. Il y a des villes où tu peux te balader un mois durant sans qu'elles finissent. J'aurais dû aller là-bas voir ce qu'il en est du monde. Qu'est-ce qu'il y en a des usines à Istanbul? Qu'est-ce qu'il y en a en Turquie? Qu'est-ce qu'il y en a dans le monde? Innombrables. Et combien d'hommes, combien se disent « Si je ne trouve pas de travail, si je n'en ai pas, qui sait combien de chômeurs il y a dans le monde ?» Les pluies de printemps pleuvent sur les coupoles de la grande mosquée, sur les capuchons des minarets, sur la corne d'or, sur les chalands. Les pluies de printemps tombent sur le marché aux poissons. Les pluies de printemps pleuvent sur le pont de Gap. Je n'ai jamais reçu, sans rien donner en échange, d'argent de personne, sauf de mon grand-père les jours de fête. Les gens qui passent ne nous regardent même pas. Il ne passe tout de même pas que des salauds sur ce pont. Tu crois qu'on est camelot de père en fiche chez nous, dans la famille? T'es un aristocrate, mon vieux, un fils de pacha. Yatağına uzandım da
maison de bois, mon cher Javier. Une bise tiède gonfle les rideaux de tulle. La maison est silencieuse. À un virage quelque part, une voiture grince. Les rues sont désertes. C'est l'heure de la sieste. Entre les maisons noircies, aux fenêtres en saillie pour la plupart, rampe la rue tortueuse, étroite, toute seule. Et un silence, une solitude. On monte au premier. La propreté de ces divans recouverts de housses de toile me ravit. Le plancher, blanc comme de la résine à force d'être lavé, brossé, astiqué, est encore humide. Ça sent le savon des Dirnées, il me semble. La lavande et le bois de sapin mouillé. Je n'ai pas encore appris qu'il est un métier consistant à soupçonner tout le monde, que l'on ait pour cela des raisons ou non. Ce doit être si triste de se sentir étranger quelque part. À moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais à Üsküdar, dans la maison au bord de la mer, il y avait un jardinier, un Albanais, qui vivait à Istanbul depuis Dieu sait combien d'années. C'est un bien beau pays, répétait-il. Dieu vous le garde. Mais pour moi, c'est la migrance. Et j'ai bien peur de mourir sans revoir mon pays. Maître Galip est célèbre pour les drôles de choses auxquelles il pense. Si je pouvais chaque jour manger des gaufrettes, se disait-il à 5 ans. Si j'allais à l'école, se disait-il à 10 ans. Si je pouvais sortir avant la prière du soir de la boutique de coutelier de mon paternel, se disait-il à 11 ans. Si j'avais des souliers jaunes, si les filles me regardaient, se disait-il à 15 ans. Pourquoi mon père a-t-il fermé la boutique? L'usine, c'est bien différent de la boutique, se dit-il à 16 ans. Est-ce qu'ils vont augmenter ma paye? Se dit-il à 20 ans. Mon père est mort à 50 ans. Est-ce que je vais mourir si tôt, moi aussi? Se dit-il quand il avait 21 ans. Et si je n'ai pas de travail? Pensa-t-il à 22 ans. Et si je n'ai pas de travail? Pensa-t-il à 23 ans. Et si je n'ai pas de travail? Pensa-t-il à 24 ans, et souvent chômeur. Jusqu'à l'âge de 50 ans, il se dit, et si je ne trouve pas de travail? À 51 ans, il se dit, j'ai vieilli, j'ai vécu un an de plus que mon père. Et maintenant, il a 52 ans. Il est chômeur. Et en ce moment, il s'est laissé prendre par la plus bizarre des idées.
À quelle heure je vais-je mourir? Est-ce que j'aurai une couverture sur moi quand je mourrai?